En Chine, le dîner du réveillon est un repas somptueux préparé par toute la famille. Les gens se réunissent pour partager à la fois un bon repas et profiter de retrouvailles chaleureuses. Les rouleaux de printemps frits sont un mets populaire avec une longue histoire. En les mangeant pendant la fête du printemps, on célèbre l'arrivée du printemps et le début d'une nouvelle année. Les rouleaux de printemps frits diffèrent dans leur garniture d'une région à l'autre. Dans le Jingnan, la farce est généralement composée de légumes et de blancs de poulet. Quant aux galettes de riz, elles sont facilement disponibles sur le marché. Tout d'abord, coupez en julienne les blancs de poulet, les carottes et les choux. Battez bien le blanc d'œuf. Ajoutez ensuite du blanc d'œuf, du vin de cuisine et du sel au blanc de poulet râpé et remuez bien. Faites sauter les blancs de poulet jusqu'à ce qu'ils soient cuits et retirez-les du wok. Faites sauter les choux râpés et les carottes râpées jusqu'à ce que le tout soit cuit à 70%. Ajoutez de l'eau, du sel et du vin de cuisine. Remettez les blancs de poulet râpés dans le wok et faites-les sauter à nouveau. Enfin, ajoutez de la bouillie de fécule pour épaissir et ainsi, la farce est prête. Il est également très facile de plier les rouleaux de printemps. D'abord, mélangez de la farine et de l'eau pour obtenir une bouillie. Ensuite, mettez de la farce sur une galette de riz. Roulez la galette et pliez ses deux extrémités. Scellez ensuite les rabats avec de la bouillie. Versez de l'huile végétale dans le wok. Mettez les rouleaux de printemps dans l'huile jusqu'à ce qu'elle chauffe à environ 150 degrés Celsius. Pour éviter de brûler les rouleaux, utilisez une chaleur modérée et retournez-les fréquemment. Lorsque les rouleaux sont dorés, égouttez-les et retirez-les du wok. Lorsqu'ils sont servis dans un plat, les rouleaux de printemps frits ressemblent à des lingots d'or. Ainsi, les manger au dîner du réveillon du Nouvel An apporte chance et bonne fortune.